Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Thonon-les-Bains. Nous vous présentons la première édition de la cyclosportive, la Thonon-les-Bains Cycling Race, qui aura lieu les 4 et 5 septembre de cette année. Avec au programme un circuit gravel de 58 km pour 888 mètres de dénivelé. Et puis le dimanche 5 septembre, deux circuits cyclosportifs. Le petit circuit de 90,5 km pour 1300 mètres de dénivelé, avec le col de Saxelles et le col de Coux. Et puis le grand circuit qui fera 140 km avec 2300 mètres de dénivelé. Col de la Cycling Thonon Race, col très roulant, début du parcours très roulant, montée de balisons pareil, pas très dur, pour le moment tout va bien. Puis au premier village, on prend à droite pour faire le col de Perret, qui est sauf erreur 4 km à 5-6%, il est un petit peu plus raide celui-là. Mais ça passe relativement bien et c'est deux beaux enchaînements, pleine joue, puis ça c'est le gros morceau. Avec très peu de répit, mais voilà, bel endroit, on arrive à la station de ski de pleine joue. Bonjour à tous, le 4 et 5 septembre, je serai à Thonon pour la Thonon Cycling Race, une cyclosportive que je suis heureux de parrainer. Je vous invite à venir nombreux, pédaler avec moi sur ces parcours. À bientôt. Parcours sont trop faciles, va à mon avis faire pas mal de dégâts parce que il y a beaucoup de prises et de faux plats montants. Je pense que c'est une super épreuve et qui va pas être si simple que ça. On aura bien évidemment un très beau village exposant avec de très belles marques de cycles et de producteurs locaux. Une dotation toujours exceptionnelle avec une voiture au tirage au sort de notre partenaire Jacquet Automobile. Et puis un parrain d'exception en la présence de Laurent Jalabert. Les cols sont vraiment super, il n'y a pas de grosses difficultés, c'est plutôt des cols qui sont roulants. On va dire que le parcours c'est un petit peu difficile jusqu'au centième kilomètre et puis après à la fin c'est plutôt en descente et on arrive sur Thonon et le port c'est vraiment magnifique. Donc...